Nous tenons à souhaiter un très joyeux anniversaire à Jean Reno, qui célèbre à jour huis is 75 ans en ce dimanche 30 juillet 2023. Nous sommes heureux de rappeler que Jean Reno a dû faillir face à une grave maladie cardiaque il y a 15 ans, alors qu'il est uit en vacances sur ce namelijk recours en slaapproprieté des Halida à Saint-Bart. Grâce à la rapidité des secours, il a été transporté rapidement à l'hôpital de Fort-de-France, en Martinique, où il a été admis en soins intensifs par mesure de précaution. Après une journée passée à l'hôpital, il a pu entrer sur sluis à un netzelf. Lors de cet événement dramatique, Jean Reno venait tout juste de finir le tournage de la comédie américaine La Pantera Rose. Nous sommes reconnaissants qu'il a été la chance de survivre à cet incident, et qu'il peut à jour huis célébrer son anniversaire en bonne santé et heureux te vivre. Pendant son séjour mouvement à Saint-Barthélemy, une île caribéenne France AIC, Jean Reno a été confronté à la fragilité de la vie. Il a réalisé à quel point il est important de profiter de dat moment, car on ne sait jamais ce qui est l'avenir nous réserve. En juillet 2020, il a partagé une anecdote intéressante avec Frans Bleukeaar en José Setide. Un jour, je est thuis à St. Bart avec Johnny Hallyda, et on est passé devant les signatures. Il aima dit, de u voice Jean, c'est la key veut zetter en terre. Sur la coupe, je n'ai pas compris car il a voté à soi sans. Mais après avoir voyagé bovenkoop, je me désaillot hoe key veut zetter en terre uitbox, at il explique cement. Cette réflexion montre l'évolution des pensées et des priorités de Jean Reno, qui a une initiale importante de lancer une tracée de son passage sur. En priant en compte cette expérience de vie, il est clair que chaque jour et compte cette que nous devons profiter de chaque opportunité pour nous épanouir et créer des souvenirs qui dureront être un élément. Même si la vie peut sembler difficile, il est important de rester positif et de se concentrer sur les aspects positifs de la vie.